Afghanistan avec vous, Nathan El Chouraki, spécialiste du Moyen-Orient, et vous, Gérard Vespierre, je me tourne vers vous en direct de Paris depuis nos studios parisiens. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir à vous, messieurs. On commence peut-être avec vous, Gérard, parce que cet hôpital ne semble pas avoir été choisi au hasard. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du caractère manifestement anti-chiite de cet attentat, il faut tout de même rappeler que c'est un hôpital soutenu par Médecins Sans Frontières, dans lequel des soins gratuits étaient donnés aux Afghans, maternité, gynécologie, obstétrique. Est-ce que ce n'est pas aussi la présence étrangère qui a été visée, Gérard ? Premièrement, vous avez souligné effectivement la nature chiite de la région dans laquelle donc l'hôpital était installé, dans le quartier de Kaboul. Ça, je pense que c'est absolument fondamental, car c'est la structure politique de l'agissement de l'État islamique. Mouvement sunnite, mais à la différence d'Al-Qaïda qui était en priorité tourné contre les représentants des autres religions du livre, le mouvement de l'État islamique est fondamentalement sunnite mais orienté contre les chiites. Mais dans un cadre politique, n'est-ce pas ? Si le mouvement est né en Irak, ce n'est pas sur un conflit idéologique religieux, c'est parce que les sunnites irakiens ont été éliminés du pouvoir. Donc c'est cette élimination qui a créé la base de l'État islamique. Et on retrouve donc dans les agissements de l'État islamique qui ont mené des attentats en Iran, au Liban, et puis en Syrie, et maintenant, depuis quelque temps, en Afghanistan, cette volonté de contrer l'influence chiite. Que représente, Gérard Vespierre, l'État islamique aujourd'hui concrètement en Afghanistan ? C'est intéressant, parce que ils viennent troubler le jeu, et peut-être pas forcément avec des conséquences prévisibles. Maintenant, il y a quatre pôles, n'est-ce pas, politiques. Vous avez le pôle, bien sûr, du gouvernement du président Ghani. Vous avez les talibans. Vous avez les États-Unis, bien sûr, qui sont une puissance d'influence. Et vous avez l'État islamique. Donc, vous avez ce carré de groupes d'influence et de participants à la vie politique au sens très très large à afghane. Et maintenant que les talibans ont devant eux un groupe encore plus radical, encore plus extrémiste, attentat dans une maternité, attentat lors le même jour, lors d'un enterrement d'un officier supérieur de police, voyez-vous. Donc la symbolique, la maternité, le cimetière, la violence, eh bien, les talibans se retrouvent d'une certaine façon au centre maintenant de l'échiquier et non pas à l'extrémité. C'est l'État islamique qui est devenu le parti extrémiste en Afghanistan, et ça, dans le jeu des négociations ô combien complexes, cela peut donner une ouverture assez étonnante mais possible. Une question à Nathan El Chouraki ici en plateau à Tel Aviv. Quelle est la stratégie exactement de l'État islamique vis-à-vis des talibans et du processus de paix en général ? J'ai envie de dire que c'est une stratégie qui est un petit peu gagnante à tous les coups, parce qu'il y a la possibilité que vient d'évoquer très justement Gérard Vespierre de la centrisation des talibans. C'est-à-dire que si les talibans finissent par rentrer dans un accord avec les États-Unis, eh bien toute la frange la plus radicale des islamistes liés aux talibans ou pas, eh bien basculeront mécaniquement chez l'État islamique, qui sera les seuls représentants d'un islamisme fort, anticolonialiste, dur, et donc dans ce cas-là, la stratégie est gagnante. L'autre stratégie, c'est celle de saboter les négociations, non pas en centrisant les talibans, mais en brouillant les cartes et en réalité en ne créant qu'un front uni, talibano-État islamique, comme il a existé au milieu de l'année 2016. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se produire, en tout cas, si ce n'est dans les faits, dans le regard que portent beaucoup d'Afghans, et notamment le président Ashraf Ghani, dans sa réaction très anti-talibane, qui montre très clairement, eh bien, que les talibans, en tout cas dans la colère populaire, sont considérés comme faisant partie des responsables de ces attaques. En tout cas, les ont permis par les réseaux et par les modes d'action que les talibans ont inaugurés en Afghanistan. Gérard Vespierre, Nathan El Chouraki parle de ce double jeu entre talibans et État islamique. Est-ce à dire que les deux font partie du même réseau ?
Non, historiquement complètement différent. Et je pense que ce qui va compter maintenant dans les prochaines semaines, c'est l'évolution de l'état d'esprit et de la population afghane. Parce que là, on est dans des attentats qui sont à la limite de l'horreur, qui dépassent l'horreur, n'est-ce pas, dans une maternité et dans un cimetière. Donc, ces actes de violence vont devenir inacceptables. Or, dans l'histoire afghane contemporaine, qui est dans la violence, ce sont les talibans. Donc, il y a un véritable danger pour que le mouvement, par ricochet, que le mouvement taliban soit petit à petit repoussé dans l'opinion publique profonde afghane, parce que la violence, trop, c'est trop. Gérard Vespierre, en quelques mots, est-ce que les Américains vont tenter de sauver cet accord de paix assez inédit dans l'histoire récente du pays qu'ils avaient conclu avec les talibans en février ? Bien sûr, par tous les moyens. D'abord, le premier moyen qu'ils avaient mis sur la table, c'est d'avoir comme négociateur Monsieur Khalidzad, donc qui, avec son nom, n'est-ce pas, est d'origine afghane. C'est un Américain d'origine afghane, né à Mazar-i-Sharif, qui a fait sa carrière au département d'État à Washington. Donc, il y avait une volonté, en ayant un interlocuteur, un leader de négociation américain d'origine afghane, d'avoir effectivement la possibilité de parler directement avec le pouvoir et avec les talibans dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a une volonté politique extérieure et intérieure du président des États-Unis, effectivement, d'arriver à régler ce conflit. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes également fondateur et rédacteur en chef du site lemondedécrypté.com. Merci beaucoup à vous, Nathalie Chouraki, également. Ainsi s'achève cette édition. L'information continue sur Etoile 24 News. Restez avec nous.